Lorsque j'ai commencé l'étude du Wing Chun avec Sifu Randy Williams, je me suis retrouvé en immersion dans tout un tas de concepts théoriques et techniques que j'ai dû assimiler dans le désordre parce que mes premiers apprentissages se sont faits par le biais de stages à thème. Je me suis heurté à la barrière de la langue maternelle de mon professeur et de ses expressions très américaines, mais également à celle du cantonais. Il a fallu également que je comprenne le contexte culturel dans lequel avait été élaboré le système et ce qu'il offrait en tant que voix. En entrant ensuite dans le cercle restreint des élèves privés de Sifu Randy Williams, j'ai souhaité être capable de comprendre parfaitement tous les éléments qu'il allait me présenter pour ne rien perdre de la richesse pédagogique dont il était coutumier. J'ai alors entrepris de traduire tous ses écrits afin d'améliorer ma compréhension de son langage, de sa façon de penser et de sa vision du Wing Chun. This is a trap. Then I'm going to make it sure. And I'm going to grab it like this. Okay? It's not the usual Kimura. It's called the gooseneck. J'ai assimilé l'ensemble des concepts théoriques du système à travers son regard, mais également en faisant mes propres recherches et mes propres expériences. J'ai alors pu dresser une bonne analyse de la constitution de sa méthode d'enseignement et m'en imprégner. Étant passionné par la pédagogie et la manière de dresser une structure capable de permettre la transmission d'un art, j'ai décortiqué son programme de formation et ai pu faire la différence entre ce qui devait être un enseignement d'ordre général et un enseignement d'ordre personnel du Wing Chun. Mes 25 ans de carrière en tant que professeur m'ont ensuite conduit à nuancer, compléter et personnaliser ce programme pour sans cesse améliorer le contenu de mes cours collectifs ou celui de mes cours privés. Non pas parce que ce programme était incomplet, mais parce que nous sommes tous différents et qu'il n'est en aucun cas dans mon état d'esprit de m'enfermer dans une vision qui n'est pas totalement la mienne. Les arts ont pour objectif de nous amener à nous connaître profondément et surtout à exprimer l'authenticité de ce que nous sommes et de ce que nous croyons être juste. Encouragé par mon professeur, j'ai soumis une première interprétation personnelle du Wing Chun que j'avais appris à ses côtés par l'intermédiaire de la rédaction d'un ouvrage intitulé Wing Chun, l'art chinois du combat rapproché dont il fit la préface. J'ai parallèlement entrepris la divulgation de bon nombre d'éléments de ce programme par des vidéos accessibles sur YouTube, mais pour la première fois cette année, j'ai décidé de créer la formation en présentiel que j'aurais souhaité avoir dès le début de mon apprentissage du Wing Chun. Ceci afin de bénéficier des bases théoriques et techniques qui me semblent essentielles pour entrer dans une pratique non pas éphémère, mais dans une voie de construction de l'être sur tous les plans. Cette formation se déroulera sur 3 week-ends et totalisera une cinquantaine d'heures d'études avec des périodes de 2 mois d'intégration et de travail personnel entre chaque week-end. Nous y aborderons la raison d'être du Wing Chun sur le plan historique et culturel, nous expliquerons les éléments géométriques et numériques sur lesquels il s'appuie, nous décoderons la légende qui l'accompagne et nous le situerons dans le vaste panorama des arts martiaux chinois. Nous passerons ensuite aux rudiments techniques de base avec l'étude purement mécanique de la première forme du système, le Sulin Tao. Cette étape nous donnera l'occasion de nous familiariser avec le registre structurel des postures et des gestes de défense ou d'attaque, mais aussi avec les notions biomécaniques employées par le système. Nous étudierons les déplacements de premier niveau, les attaques de poing, les attaques de paume et de coude, les attaques de jambes, les gestes de défense et les pièges de main. Nous enchaînerons sur les alliages possibles entre deux gestes de défense ou entre une attaque et une défense. Nous aborderons enfin tout un tas d'éducatifs destinés à vous rendre autonome et créatif dans l'entraînement.
Pour avoir l'ensemble des renseignements concernant le lieu où se déroulera la formation cette année, les modalités d'inscription et tous les détails permettant de vivre cette expérience, je vous invite à consulter la page formation de mon site dont je vous mets le lien en description. Bien entendu, vous pouvez également me poser toutes vos questions dans les commentaires. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite un plein épanouissement à travers la pratique de votre art.